Every day, people die in the Mediterranean. SOS Méditerranée is an European civil association to help those people. We have to rescue them. Nobody else does it in a sustainable way, even in the winter time. We have to go out throughout the year. We have to rescue the people whenever they are in danger and until that problem is over. On voit quelque chose de très coloré en fait, hein. On voit une grosse tache multicolore. Ce sont tous les vêtements des gens que portent les gens, des t-shirts, des bouts, des vêtements en fait, hein. Donc on voit une tache multicolore au départ. Et on pourrait croire, quand on n'a pas de l'œil exercé, qu'il s'agit d'un bateau de pêche, avec ses pavillons de couleurs, vous savez, pour repérer ses filets ou ses casiers. Mais en fait, il y a beaucoup trop de couleurs. C'est trop compact, on va dire. Et donc, au bout d'un moment, on sait tout de suite, hein, à force d'en voir, on repère tout de suite qu'il s'agit d'un bateau de migrants. Moi j'emploie le mot exode parce que c'est un mouvement de masse, oui, oui, cet exode. Finalement quand on interroge les gens, il y a quand même une similitude, beaucoup de gens c'est le même élément moteur, hein, c'était faire la sécurité chez eux, quoi. C'est pas une insécurité imaginaire, quand on pense à la Syrie. Un boat people de Vietnamien, un boat people de Syrien, c'était boat people, hein. Ça fait un bateau trop petit et trop de gens à bord. C'est toujours la même chose, quoi. Et on peut pas laisser, des gens se noyer, ça. C'est-à-dire que quand vous prenez ces gens à votre bord, vous ne savez pas si ils auraient péri ou non après. Vous avez un doute, mais le doute est trop fort. Donc on ne peut pas vivre avec le doute. Une fois qu'on les a pris, ça devient une sorte de responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas fini, pour nous c'est pas fini. Ils sont à bord, on les traite comme on peut avec les moyens du bord, comme on dit en jargon maritime. Hein. Mais en même temps, quand on se sépare d'eux, le moment de la séparation est cruel. C'est comme si on disait, on en est devenu responsable, on les a sauvés. On a du mal à les voir partir. À un moment, j'ai eu l'occasion sur mon navire de soulever une petite fille, voilà, de la prendre dans mes bras, et j'ai l'impression d'avoir la mienne. Je me souviens de la mienne quand je la portais au même âge. Pour moi, c'était la même chose. Un enfant, c'est un enfant. Pour des raisons X ou Y, ça paraît pas pouvoir s'organiser au niveau gouvernemental. C'était un petit peu la même chose justement en mer de Chine à l'époque. Hein. Ça a dû être une initiative privée. Et ça a enclenché après un réveil des autorités. Si on voit les gens soutiennent un bateau, on se dit là ça devient sérieux. Ça devient sérieux, c'est pas seulement, on n'est plus dans la discussion. Ça a marché en mer de Chine. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Méditerranée. 150 years ago, Europeans were fleeing overseas and they were put in danger. There were shipwrecks and people were drowning. Europeans have built associations at that time to rescue those people. And those associations are still operative all along the European coast. We have to use that example now to start a civil rescue project which is sustainable and to make the Mediterranean Sea a safe sea for anybody who is in danger. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre soutien pour lancer des opérations de sauvetage en mer au plus vite avec notre partenaire Médecins du Monde. Il nous faut 100 000 euros pour louer un bateau pendant un mois, 200 000 euros pour avoir des équipes et du matériel opérationnel, 400 000 euros pour financer intégralement un mois de sauvetage en mer. Et si nous atteignons 1,2 million d'euros, nous pourrons acheter notre propre bateau. Aidez-nous à lancer notre première campagne en mer. Merci de votre mobilisation.